Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Peuple haïtien, pays a traversé une crise insécurité. Dans l'insécurité pays a trouvé là, nous remarquons qu'en pile monde, il fait silence. En pile parti politique, il fait silence. Si tout parti politique qui t'a goumé en face président Jovenel Moïse, si tout parti politique qui t'a empêché pays à fonctionner, les deux fins président Jovenel Moïse t'es là. Nous-mêmes, en tant que collaborateurs, nous estimons que comportement ça n'est pas normal dans la population haïtienne. Parce que nous pensons que parti politique, c'est politique qui a fait. Et politique qui a fait, il faut bien faire pour changer le pays ça, pour le peuple lui-même, lui capable de fonctionner, j'en dois fonctionner. Nous-mêmes, en tant que collaborateurs, nous vraiment pas comprendre pour qui ça pile acteur politique ça yo parti politique ça yo fait silence. Est-ce que pays a c'est bien marché là bien marché m pas quoi? Est-ce que y a sécurité dans pays a m pas quoi? Insécurité a exagéré. Nous remarquer pays a n'a parlé de 10 départements pays a toute grande ville yo sale. Nous connaissons depuis le président Jovenel Moïse, c'était qu'on supportait mairie. Mairie était qu'on fait un pile effort. Mais je ne j'ai dit, nous remarquons qu'un pile mairie pour ne pas dire majorité mairie dans le pays, ils ont quitté ville sale. N'a posé tête nous en question en tant collaborer. Est-ce que support mairie était qu'on joigne à travers le pays? Il n'y a pas de support de pouvoir central que Ariel Henry a dirigé. Parce que nous-mêmes nous connaissons. Pour voir ça qu'il a, il fait un seul bagaille. Il campe tout projet président Jovenel Moïse t'a fait à travers le pays. Pendant ce temps, la population continue à payer taxes, elle continue à amasser l'argent dans le pays. Je dis un collaborer c'est l'objectif. Qui est l'objectif nous? L'objectif collaborer, c'est départ Ariel. L'un dit départ Ariel, mais pour qui ça? Jean Gaines, porte-parole, t'as dit à l'air. Mais nous avons un parti politique qui qu'on a critiqué le président Jovenel, exemple Famille Lavalas, Petite Dessalines, PHTK. Je dis, côté Mounsaï, pour ça, nous avons abandonné. Si nous passons passé la Saline, nous passons Delmadé, nous passons Belay, nous passons Cité Soleil, nous passons Matisse. C'est comme si Mounsaï ne pas vivre. Est-ce que le parti politique ça va pas exister? Et à chaque fois qu'il a parlé, il a toujours dit que c'est Petit Ghetto, c'est Ghetto à représenter, c'est Ghetto à assembler. Je dis, il a abandonné Ghetto. Nous même en collaborer, nous sommes fidèles à la position. Nous. Qui c'est départ Ariel. Parce que je dis à ça, nous avons un ghetto à abandonné, même un petit ghetto, il n'y pas fait bien du tout. C'est ça qui permet, nous dit pas de politique ça au côté. Parce que je dis à est-ce qu'il bouche plein de l'eau qui fait pas parler? Est-ce qu'il y a un petit zèbre en bouche? Parce que je dis à là, on ne peut pas abandonner tout problème ça. On ne peut pas passer toute calamité ça. Après kidnapping l'abandonné. Après petit, il n'y a pas à l'école. Après insécurité enragée. Est-ce qu'il parti politique ça va exister? Nous même en collaborant avec le parti politique, ça aujourd'hui, après, est-ce que ça habite? Le 20 février, PM Ariel Henry, 120 jours sous pouvoir. Il n'y a pas réglé un yek sérieux. L'insécurité est toujours là. Le peuple a mis ses pires. Variable dans les cabines, pas dans les cabines qui sont là pour. Le peuple a toujours acheté gallon gaz, 1000 gouttes, 500 gouttes pour fonctionner. Le kidnapping est toujours là, pire. Moi-même, en tant que coordonnatrice collaborée, je porte cri population, cri ghetto. Ghetto yo nan misère. Inondation nan quoi yo? Fatra envahit tout kayo. Meri yo pa gen anyen nan men yo pour yo même ta leve, même tiers nan fatra gen nan pays ya. Fatra presque entre nan tout kay tout moun. Jodi a nous demandons de collaborer, nous appelons au secours pour le gouvernement ça. Yoshida,
y a fait accord. Yo payem de facto, yo payem matoman, yo payem équipe qui participe. C'est pas moi qui dis tout. C'est la justice payem qui dit que payem non, te parlé avec Badjo Bozamine le jour même qui ont assassiné président Jovenel Moïse Lacaille. Non pas le recette. On pas dit Père Mariel de facto assassiné président Jovenel Moïse. Comme nous dit ça, s'il pas coupable, il pas ta prévoquer ministre justice, il pas ta prévoquer commissaire gouvernement. Parce que yo dit pour la répondre question la justice. Comme moi ouais. Commissaire gouvernement Aurélien. Par contre si c'est ça l'a réglé là. Même gens l'a évité l'autre monde. C'est même gens tout pour éviter PM de facto là. Maintenant, maintenant, vous le faire pour aller répondre à la question de la justice. Tout. Si ce n'est pas moi qui dis le coupable, c'est la justice pays qui dit si le coupable, si l'innocent. Je dis, nous ne sommes pas capables encore. Pour un citoyen qui a acheté un gallon de kérosène pour 163 gouttes, l'État obligé de mettre 195 gouttes pour lui. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous pas même qu'à commander du gaz. Mais nous tous connaissons à 30 milliards de gouttes n'a subventionné le gaz là pour quelqu'un. Nous avons le peuple là un pire service. Nous avons mis plus de policiers dans la rue pour avoir bonjour sécurité. Nous avons plus de blindés. Nous avons employé plus professionnels faire l'école pour 500 000 petits monde qui pas qu'à aller l'école. Nous avons construit et équipé plus l'hôpital. Nous avons continué l'islam. Malgré pour nous parler sur question ça, avec nous, nous l'autre. Avant de tête ensemble à tout le monde qui concerne nous. Nous prenons une décision qui est plus bonne pour le pays. Je te dis, je bande toute vérité. Je bande vérité à Jean-Yves. Et je demande à tout ministre du gouvernement, à tout citoyen du pays, pour nous commencer à réfléchir sur la plus bonne façon pour nous gérer les bagages. Le problème, nous, dans le dialogue et la concertation. Besoin en pile dans tout secteur. Population attend service dans l'État. Il est indispensable pour l'État rentrer plus taxes et surtout pour l'État bien dépenser l'argent taxé. Haïtienne, haïtien, ces contributions nous cap aider l'État remplir rôle comme ça doit. Moi-même, à gouvernement, n'apprends engagement pour nous combattre corruption à gaspillage dans l'État, pour nous faire une gestion rationnelle de tirer ressources de l'État. Tout le monde doit l'obliger à marrer ceinture. C'est comportement nous, le gouvernement, qui apprend le peuple la confiance dans les dirigeants. Je prononce un autre appel à toute frère action pour nous faire l'union sacrée, pour nous sortir du pays où la crise la traversée. Nous ne pouvons pas rentrer dans une chaise musicale sans l'été dans tête du pays. Ensemble, nous avons fait un miracle. Division, chirépite, c'est plus bonne recette pour un échec. Collectif. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dès demain, je vais me remettre au travail pour mettre en œuvre les instances prévues dans l'accord. Je veux rassurer les secteurs qui, à cause de l'insécurité, ont hésité à s'engager dans la mise en place du Conseil électoral provisoire de l'Assemblée nationale constituante. Et de l'autorité de contrôle et de suivi, et leur dire
que nous travaillons à la résolution de ce problème. Nous devons dès à présent commencer à préparer les échéances. L'article 12 de l'accord fixe un ensemble de tâches au gouvernement qui prend fonction aujourd'hui. À ceux qui disent que le monde est trop copieux, je réponds qu'avec la bonne volonté et la participation du plus grand nombre, nous pouvons y arriver. Il est possible d'initier un certain nombre de programmes et de projets qui devront être poursuivis et menés à terme par les prochains élus. Nous y mettons tous, nous réussirons. C'est pour assurer la participation du plus grand nombre que je me suis engagé à prioriser un dialogue permanent et structuré sur toutes les questions d'intérêt national. Dans la nouvelle Haïti, nous devons apprendre à régler nos différends par le dialogue et à construire des consensus suffisants sur les questions essentielles. Le recours à des modes d'expression violents ne constitue pas la meilleure façon d'adresser les problèmes ni de prendre des décisions dans l'intérêt collectif. Nous avons essayé ces formules depuis plus de 30 ans. Et nous voyons les résultats. Nous devons changer de paradigme. Quelque chose doit changer dans notre pays, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre ensemble, dans notre façon de partager ce que nous avons. J'ai dit récemment que notre génération a l'opportunité d'assister dans le même temps à l'effondrement de nos institutions et d'être appelé à œuvrer à leur reconstruction. Nous ne pouvons pas rater ce rendez-vous avec l'histoire. Nous devons de nous montrer à la hauteur de cette noble tâche. Nous devons cela à notre jeunesse et à nos descendants. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, dès que vous aurez pris fonction, nous aurons à mettre les bouchées doubles si nous voulons répondre comme il se doit aux obligations qui sont les nôtres. Vous avez accepté ces responsabilités dans des conditions difficiles. Votre tâche et notre réussite n'en seront que plus exaltantes. Je ne peux pas terminer sans attirer l'attention sur la persistance au niveau mondial des conséquences de la COVID-19. Mes amis, COVID existait tout bon vrai et l'est déjà atteint et tué en pile monde sous toute la terre et même pays loin tout. Maintenant, les ministres de Santé publique là, pour les lancer rapidement une campagne d'information pour encourager tout le monde à prendre vaccin contre COVID. Je dis à Haïti risquer de tourner un pays isolé parce que nous ne prenons pas vaccin. Nous allons dégager, comment dire Jacques, pour nous trouver plusieurs millions de doses, nous avons besoin pour vacciner le maximum de monde. Nous t'arrivons, tout le monde prend conscience de ça et fait ça qui est nécessaire pour le virus là, nous camper loin. Chers compatriotes, chers amis, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et à l'instant, on appelle le citoyen Jean-Victor Genius, le nouveau ministre des Affaires étrangères et des Cultes, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Le citoyen Ricard Pierre est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe, madame. Le citoyen Berthaud Dorcé est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Nesmi Maniga est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen
est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. Merci. Le citoyen Rosemont Pradel est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Audrey Pierre Lico est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Raymond Rival est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Voilà, Madame, Monsieur, pour les différents membres qui ont donc intégré le gouvernement que dirige le docteur Ariel Henry. Et moi-même, depuis 4 mois, je suis dans le maquis parce que il y a un commissaire du gouvernement qui normalement doit être un protecteur des citoyens. Au lieu pour le faire travailler comme protecteur du citoyen, il vient tourner un persécuteur des citoyens. C'est ainsi que le fabriqué, on prend une mise en scène, on mettait l'ordre pour arrêter moi, obligé de mettre ma couvert pour que on ne prenne pas arrêter, mais puis à l'envoyer dans mon noir qui vient là, la pénitentiaire nationale. Et j'étais impatient pour me rencontrer le juge d'instruction pour me capable d'expliquer la situation. Donc ce que le juge a fait, il m'a convoqué pour nous adresser 2 requêtes préalables au juge d'instruction, qui finalement l'a accepté pour les recevoir, il posait une question, ou pile question parfois subtile, compliquée, etc. J'ai répondu volontairement à toutes ces questions et maintenant je suis libre de la mouvement, naturellement, l'enquête n'a pas fini, je reste à la disposition du juge d'instruction, n'importe qui l'a besoin de la présenter. L'instruction est secrète. Mais qui s'est passé là-dedans. Cependant, mon cardio, ça a été une instruction. Il ne m'a pas fait de cadeau. Il m'a fait un cadeau. Mais, le mandat est levé. Il y a là, avec un pile tristesse, m'a gardé et m'a vivre un pays qui détruit, complètement détruit. Les années de malgouvernance, les 2 derniers mandats présidentiels, Libanon, on prend un régime qui lui-même éventuellement pour de façon systématique lui détruit toutes les institutions républicaines. Et je dis à là, pays a non seulement un problème d'institution, nos institutions sont détruites, nous avons un phénomène de banditisme entretenu, soutenu, supporté, parfois mis en place par des gens au pouvoir qui, je dis à là, menacer la vie et les biens de tout un chacun. Plus que jamais, il y a une nécessité pour que nous, tout le monde, citoyens et citoyennes qui vivent dans le pays, pour nous comprendre dans quel niveau pays est arrivé et pour nous faire tout ça, tout ce qui est possible pour nous chercher une solution à cette crise que le pays a traversée, pour nous retirer, peuple haïtien, la situation de misère, de détresse, d'insécurité, la vivre au quotidien. Un gouvernement, c'est pas une baguette magique. Là, on met un gouvernement, ça peut réussir, ça peut échouer. Mais ce qui est important, c'est de savoir. Gouvernement, ça qui vient là, ça l'a bien pour le faire. Qui mission la baguette? Est-ce que la vient là pour faire semblant comme les autres? On prononce des discours, et puis dans la pratique, on va faire. Alors moi, je vais garder, on prend le gouvernement ça, avec un peu d'attention. Et puis, j'attends pour voir. Toujours est-il, il y a de graves problèmes dans ce pays. Ce pays a besoin d'un consensus large, très, très, très large. Le Père, le Fils,
patriote pour me rendre hommage pour ça a été fait sous terre. Parce que jeudi 24 novembre 2021, si le temps encore vivant, l'étape gagne 70 ans. Et je pense que c'est une occasion ça, Patia, Frère Karel, Patrick Beaufrelli, prend initiative, fait messe ça. C'est l'occasion pour nous, non seulement nous rendre hommage, mais pour nous faire pays à songer qu'on migre les tunnels d'LP, qui était sénateur de la République, qui était docteur, et qui était consacré toute jeunesse, li, qui prend exil, qui prend bâton, qui prend prison. Même pas qu'à seulement dit tunnels d'LP, sans ne pas parler d'un autre docteur, peut-être génération ça, pas qu'on est du tout, qui était Lionel Lenné. Docteur Lionel Lenné, son monde qui débarquait dans le pays, ya, clandestinement, dans la fin année 1984, et il est à la base de mouvement qui va renverser la dictature Jean-Claude Duvalier. Il était perdu la ville, tout était tué. Li. Alors c'est tout un cheminement que nous avons célébré là jeudi. Ya. Mais il y a une connexion qui peut faire entre ce qui a fait avant et ce qui a fait jeudi ya, pour nous arriver à atteindre l'objectif conférence nationale. Là. Mais, docteur Delpe, comme nous le mettez dans la conférence nationale, là, il n'y a pas dit encore. Qui c'est le mot souveraine. Conférence nationale souveraine, ça veut dire conférence nationale, ça, décision, personne ne va remettre en question. Et c'est là toute la difficulté de l'organisation de cette conférence nationale, en pile, on a répété, comme souhaitait tout. Alors je dis à tout simplement, nous prenons un hommage à Tuneb Delpé et à tout l'autre combattant qui tombait en coulis et tout l'autre monde qui est en combat, qui toujours a boumé pour un plus bon Haïti. Et nous-mêmes, ça nous retenait dans. La vie Tuneb Delpé, c'est trois bagailles. Première, c'est affaire conférence nationale là, qui a une racine profonde, sorti très loin. Son bagaille qui marré avec première conférence nous avons fait. On a parlé de la CAE, on a parlé de Bois Caïman, on a parlé de Canjérard. Donc trois bagailles ça ensemble, bah, nous, première conférence. Qui est dans le berceau, Pepe Aïssa. Mais par rapport à Dr. Delpé lui-même, il n'y a pas seulement la conférence nationale souveraine. Dr. Delpé, l'autre aspect de la dernière, c'est que son nègre qui t'a goumé pour mise en commun ressources pays, ressources intellectuelles, le tout. Donc c'est ça que fait, il était toujours dans toute organisation qui a goumé pour faire mise en commun. Il forme rassemblée, il vient mourir dans mon pot de la toutes ces organisations pour faire mise en commun ressources. Activité aujourd'hui a réalisé dans le cadre anniversaire du Dr Tuneb Delpé, qui s'il de là, ça a fait 70 ans. Mais malheureusement, il n'est pas là ensemble avec nous. Mais l'idée, le travail qu'il a fait à travers la société, il est là. Objectif journée aujourd'hui, c'est. Fait promotion pour Zev Dr Tuneb Delpé. Nous connaissons que des médecins, des sénateurs, les sont humanistes, chargés de crédibilité et d'intégrité. Donc, ils sont défenseurs infatigables de la conférence nationale. Donc, objectif principal là, c'est qu'imbé les idées de Delpé et continuer à faire promotion pour la conférence nationale haïtienne souveraine. Et conférence nationale là, n'est pas l'autre bagaille que ces rencontres, ces réunions ensemble d'individus et de personnes habitant un territoire bien déterminé. Rencontre-là, qui s'est occupé pour faire la donne, c'est poser les problèmes du pays et chercher solution à problèmes. Et qui monde qui a bien pour faire travailler ça, c'est ensemble de citoyens, c'est ensemble d'individus. Vivre dans la société ça. Même dans le ministère qui changeait en pile dans 4 mois. Qui changeait en pile et nous prenons pile de temps pour remonter et nous voulons rendre ici un hommage particulier à Paul Henri Voltaire. Nous avons choisi Paul Henri Voltaire comme chef de cabinet parce que nous connaissons un homme royal. C'est un homme de devoir, on a qui aimait le travail, et surtout c'est un homme de cœur.
Ministère, ça, c'est un ministère qui est important pour le gouvernement. Nous voulons aller vers un environnement, nous dit, apaisé. Au côté, nous adresser problème peuple, problème grand monde, problème misère, problème santé. Et c'est dans le cadre ça que nous choisissons, dans le cadre de ministère ça. Je choisis parce que je pensais que je vais bien assez de temps pour me consacrer à ministère ça. Et que nous irons en phase côté ministère ça pour être plus actif, plus productif au niveau du pays. L'infini est en ordre où il faut le travail plus en profondeur. L'homme réfléchit, on choisit un cadre, un petit ministère, un monde qui grandit à l'intérieur du ministère, un monde que vous observez et que vous observez depuis des années. C'est ainsi que nous choisissons le ministre Obé. Nous pensons que l'Ibal fait un bon travail. Maintenant, il dit cadre, il dit directeur, il dit manager. Pour nous mettre ensemble pour que nous puissions aider ministre Obé réussir. Réussir, ce n'est pas pour nous. Réussir, ce n'est pas pour la rue. Nous avons un changement. Réussir, c'est pour le peuple haïtien. Dans le jour où nous venons là-haut, nous mettons un petit peu plus d'argent. Plus quoi, dans le budget républicain, pour que nous, le ministère Sahara, nous venions plus efficaces, plus présents dans le monde. Nous ne faisons pas un discours. Nous ne faisons pas un discours de circonstances. Nous devons faire un discours d'introduction et de présentation. Un nouveau ministre que nous gagnons, ministre Affaires sociales. Nous avons quitté le ministère Sahara, nous avons quitté le corps. Nous avons pour m'apporter avec nous, parce que ça fait toujours plaisir de retourner avec nous. Permettez-moi, en tout premier lieu, de m'adresser au grand architecte de l'univers, m'avoir préservé vie, à mes parents, pour m'avoir inculqué des formations adéquates qui font de moi qui je suis aujourd'hui. Ensuite, j'adresse ma gratitude la plus profonde à Son Excellence Monsieur Ariel Henry, Premier ministre, pour avoir fait choix de mon humble personne pour conduire et mettre en œuvre la politique sociale de son gouvernement. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin représente une réponse positive à l'appel citoyen d'une conscience au service d'un pays agonisant. J'invite d'ores et déjà tous les personnels et les autres acteurs corollaires à un environnement de travail collaboratif que je m'engage à favoriser sous cette administration. Je suis donc ouvert aux échanges progressistes et toutes suggestions. Je profite pour remercier l'équipe sortante avec à sa tête le Premier ministre et ministre des Affaires sociales, M. Dr. Ariel Henry. Je salue l'effort accompli par son équipe sous le leadership de M. Paul-Henri Walter. Merci de ça. Moi, c'est petit Kai et tout le monde qui est là va visiter de vous. Donc, le Nakara là, nous avons même parents. Parents, c'est ministère. Si on lui fait des autres, c'est qu'elle va petite carrière. Donc, c'est nous tous qui pouvons mettre le monde qui lui fait des autres là-dedans. En nous réfléchissant avec nous, moi, espérer, pas besoin de dire espérer, moi, connais ma grande support au ministre pour nous construire
concrétiser, si vous voulez, rêve. Nous toutes, ensemble avec vous, t'es gagné pour nous. J'ai l'immense honneur de procéder cet après-midi à l'installation de Madame Raymonde Rival à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Service Civique. Merci. En effet, mesdames, messieurs, le pays traverse des périodes les plus difficiles de son histoire. Les jeunes sont les plus impactés par cette crise multidimensionnelle. Il est du devoir de l'État de leur redonner espoir à travers une politique de jeunesse. Justement, le sport a le potentiel de faire revivre cet espoir. Le Premier ministre Ariel Henry a fait choix de Madame Rival pour conduire la politique du sport au sein de ce gouvernement, Madame. Vous avez une lourde charge. Juriste de formation. Après deux expériences au Parlement à titre de député, elle est appelée maintenant à servir l'État à un autre niveau. Je souligne en passant que Madame Rival faisait partie des quatre seules femmes militant à la 50e législature. Permettez-moi de parodier les lyriques du chansonnier haïtien Jean-Jean Roosevelt pour dire que le PM a donné le sport aux femmes. Hein? Vous entendez? Le PM a donné le sport aux femmes. Parce qu'elles sont susceptibles d'être plus efficaces dans l'encadrement des jeunes et du sport. Madame la ministre, je vous signale que déjà, les défis sont nombreux. Mais de par votre parcours, il ne fait aucun doute que vous saurez vous montrer à la hauteur de cette noble mission. Je vous souhaite déjà bon courage et succès continu dans votre lourde tâche. Mesdames, Messieurs, je vais vous donner lecture de l'ampliation consacrant la nomination de Madame Rival comme ministre de la Jeunesse au Sport et à l'Action Civique. Je donne lecture. C'est l'arrêté portant remaniement du cabinet ministériel. Arrêté Ariel Henry, Premier ministre. Vu la Constitution, vu l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire des 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2021, publié dans le journal officiel de la République, le Moniteur, en date du 17 septembre 2021. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État. Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Vu l'arrêté du 5 juillet 2021 nommant le Premier ministre. Vu l'arrêté du 19 juillet 2021 nommant les membres du cabinet ministériel, considérant qu'il y a lieu de remanier le cabinet ministériel. La citoyenne Raymonde Rival est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique. Madame Raymonde Rival, je vous invite officiellement et publiquement à prendre charge comme ministre à ce ministère. Madame la ministre Rival, les invités et membres MJSAC, la presse écrit parler. Je dis à moi senti que moi j'ai une force que moi-même je pas pensé que je gagne.
ça que une bonne nouvelle qui t'est passée la matin, parce que le 21 juillet, les bombes de ville là, t'es même activité là. Côté que employé MJSAC t'es passé en condition que moi-même moi t'as dernier monde qui part dans le secteur à rentrer. Peut-être c'est vrai que bat dans le secteur à, que pas de monde qui te connaît en tant qu'athlète, parce que je fais vie ma pratique athlétisme, je suis champion national et que à nos jeunes des clubs athlétistes, que peut-être que pas de connaît des informations, je n'ai pas qu'à faire un bilan pour me dire bilan. Parce que l'idée était là, elle était commencé, mettez un sous pied. Mais peut-être c'est comme ça l'État a fonctionné. Elle me dit c'est comme ça, peut-être. Il y a une qui était là avant, malé, il y a une qui vient. Mais peut-être ça que moi-même m'a dit à ministre Caprentria, vous pouvez prendre place là. Il y a plus de monde qui va solliciter. Mais le chemin par, on nous essaye, ouais, si nous avons fait une continuité pour l'État. Je ne parle pas de continuité, parce que je pense que c'est unique ministre qui passe là, qui a un rapport avec toi, le ministre qui passe. À chaque décision pour le plan, on a bien besoin de contact de un ministre qui passe. Peut-être c'est vrai que nous avons doit échouer dans ça que lui-même il a gagné comme mission, mais peut-être l'LDE a l'autre chose. Conseil est toujours, toujours valable. Et je pense que ministre, il y a un processus que je commencé à bout et une démarche que je t'ai fait. C'est fait qu'à travers 10 départements et 12 bureaux que le ministère a représenté. Moi, je suis venu, certes, passé 4 mois et je crois quitter 3 bureaux normalement. Nous comprenons, nous allons prendre du temps pour essayer de comprendre le ministère là. Nous avons un bureau, bah, et dans la Tibonite, dans le CEMAC, nous avons essayé que on rentre en contact dès le moment qu'on prend poste avec le directeur départemental là, que un bureau que nous avons fait démarche, que c'est une institution, l'État, qui a banni. Et nous avons un bureau dans Mion Balai, côté que c'est un parc sportif que nous avons là, que nous avons pris à le mettre en fonction. Parce que nous n'avons pas qu'un ministère pour que le ministère a fonctionné, un bureau a fonctionné, la caille du directeur départemental. Et je crois que la NIP, nous avons entamé un processus avec le directeur départemental là, côté nous avons un jeune local. Seulement c'est réparation qu'il a demandé. Et je pense que le ministère a trois sous-secteurs là-dedans. Et dans trois sous-secteurs, je m'a demandé souple. Continuer de demander ça, afin que chaque sous-secteur soit représenté en dans la direction départementale. Parce que le difficile, les employés besoin de bagaille pour ces porte-prince pour l'obliger à demander. Essayer ouais, comment on peut intégrer mon saïo. Et parce que c'est un ministère, pour moi-même, passer 4 mois, qui n'a pas besoin de présence au ministre. Parce que le ministère a tellement de cadres, à la limite qu'on est tel. Tout à fait préparé. Parce que c'est une ressource ça. Côté que, les que je rentre là, il n'y a pas de bas aux valeurs. Et je pense que, dès que la première semaine que je suis rentré, je regarde une liste de monde qui est entre 60 à jusqu'à 70 ans, des jeunes ont fait de 96 monde. Et là, l'idée PAM, pour que je fais jeunes qui forment en Afrique, au Cuba, jeunes valeurs, moi-même, je prends engagement.
ou si 27 pensions pour les gens qui étaient dans l'âge de 65 jusqu'à 70 ans. Côté il y a des gens qui relèvent, qui disent non, je ne suis pas supposé faire tel. Mais peut-être, moi-même en tant que jeune, agronome, géologue, je ne suis pas regardé comme ça. C'est vrai que je passe 4 mois dans l'institution publique parce que je fais vivre, je travaille avec paysan et je consacre les valeurs. Et là, je pense là, en deux ministères, je vais jouer des valeurs. Et je vais jouer des valeurs. Seulement, ou bien pour encadrer vous. Pas hésiter. Travaille avec vous. Parce que là, il y a des cadres. Il y a des gens qui ont aidé à mettre le ministère sous pied. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont parlé de mon acteur, directeur, cadre. Même pour moi-même, le ministère va gagner une dans sa dire. Le ministère a un paquet de collaborateurs. Et m'a demandé tout. Peut-être moi-même, c'est pur socialiste pour me dire. Parce que tout le monde pour moi a les mêmes valeurs. Et je souhaite que porte ouverte pour tout le monde. Tout le monde, il suffit qu'on ait tant qu'on a recevoir parce que chaque conseil est important. Parce que le ministère a son chaîne. Mon gabalia travaille pas là pour le bon bout. Kadla travaille pas là bon pour et travaille pour là pour le faire ministère à marcher. Mesdames et messieurs, chers amis, mes remerciements vont d'abord au Premier ministre Ariel Henry de m'avoir confié le portefeuille du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique et j'en suis ravi. Je salue ensuite ma famille politique qui a fait choix de moi parmi tant d'autres afin de représenter le parti au sein du nouveau gouvernement de consensus national, résultat de l'accord du 11 septembre 2021. Enfin, au peuple haïtien en général et aux sportifs, en particulier, je m'incline devant vous pour votre résilience, votre courage et votre foi inébranlable dans l'avenir. Car malgré toutes les contingences et les vicissitudes de la vie quotidienne, vous avez su rester ferme tout en gardant l'espoir de lendemain meilleur. Comme vous le savez, le pays est en train de faire face à une situation difficile, paralysant de ce fait les activités sportives un peu partout à travers le pays. Cette situation me fendit le cœur et je vous promets que moi et mes collègues du gouvernement, nous allons travailler sans relâche afin de ramener la paix et la sécurité dans le pays et créer un climat propice où il fait bon de vivre. Et les sportifs, en toute quiétude, pourraient reprendre leurs activités. Le ministère ne s'occupe pas uniquement des activités sportives. Au titre des commissions qui lui incombent, il entend aussi être un carrefour de réflexion et un vivier d'idées et de propositions pour améliorer la gouvernance publique et pour mieux construire les politiques publiques. Aussi joue-t-il un rôle, de premier plan à travers une politique portée vers l'action civique, ingrédients indispensables afin de faciliter un climat propice à l'entraide et se faisant créer un terreau fertile pour vivre ensemble et mettre un terme à l'entre-soi. La citoyenne sera au cœur de nos actions afin de rappeler en tout et chacun le rôle qu'il est appelé à jouer au sein
de la société et de jouer pleinement. À coup sûr, de sortir le pays des sentiers battus de la discorde et paver la voie vers le développement durable. Car la citoyenneté n'est un sujet intemporel qui intéresse l'action publique et sur lequel l'emphase doit être mise. Et le choix de cette décision n'est donc pas en rupture avec les habitudes, mais il répond à la priorité de l'heure. Nous allons redynamiser la collaboration entre le ministère et les diverses fédérations sportives du pays. Rehaussement du championnat interscolaire du pays sous le thème sport, santé, éducation, les piliers pour une jeunesse plus forte. Identifier une campagne de sensibilisation envers les jeunes sous les diverses thématiques d'ordre mondial. Jeunesse, pays, réveiller, impliquer. Venez participer dans le développement pays. Haïti demain, pas qu'à fête sans nous-mêmes, la jeunesse. Mais avec femmes, ou garçon, frère avec Samuel, nous devons coller les épaules nous ensemble pour avancement ensemble nous serions force pour pays d'Haïti. L'organisation Femme Cad ensemble avec partenaires réunis jeudi pour nous commémorer une journée 25 novembre qui est une date importante pour l'organisation féministe et pour les femmes en général. Date ça consacrée par les Nations Unies comme journée internationale contre la violence sous femmes, pour l'élimination de la violence sous femmes. Et nous-mêmes, dans Femme Cad, nous pas qu'à quitter la journée ça a passé sous silence. Nous avons profité de l'occasion ça pour nous continuer à sensibiliser mesdames, pour nous engager dans la lutte, pour continuer à faire tant de voix, continuer à gommer pour droit respecter. Nous sommes conscients de l'impact de la pandémie COVID-19 là, à la crise sociopolitique économique là, gagné sur la vie peuple haïtien. J'en ai augmenté la quantité de cas de violence. Et ces femmes qui sont plus victimes, c'est important, c'est nécessaire pour mesdames de prendre le destin en main. Une façon pour combattre la violence là, qu'a fait sous femme et pour ne pas arrêter en silence, pour dénoncer les mêmes les séparés, même les gens qui ont fait violence sous l'autre monde, pour dénoncer, pour ne pas arrêter en silence. Nous-mêmes, dans Femme Cad, mission nous c'est porter assistance nous à femmes actifies dans la société haïtienne et combattre toute violence qu'elle a subi. C'est pour ça que nous réunis aujourd'hui. Pour journée de réflexion, ça, nous voulons faire connaître que porte nous toujours ouvrir pour nous supporter, aider des femmes droits et bien assistance sociopolitique et juridique. Nous invitons, mesdames, à former tête, prendre responsabilité, engager, suspendre le rôle et spectateur, apprendre comme droit nous. Parce que nous pas qu'à défendre droit nous si nous pas qu'on droit nous. Pour penser bah, en tant que citoyen engagé, obligé, dit ça nous senti au pays malheureusement à manger bourgeois pour tout bail pour eux bio mal séparé. Mais nous même nos revendications nous c'est faut fixer pour eux pour continuer pour les citoyens. Hein? Si pour eux c'est pas capable. Pas démission parce qu'il est là pour régler les bagailles. Si nous avons le job en tant que peuple pour travailler pour nous, en faveur nous, pas faire rien, il faut battre ta maintenant. Nous-mêmes, on va dire que c'est clair, comme l'État a fixé prix pour du haut, il faut que l'État a voué des inspecteurs pour vérifier ce qu'il a mangé, produit expiré, est-ce qu'il a consommé médicaments expirés.
faut que nous connaissions. Parce que nous payons pour ça. Et job nous balie. La vie chère, c'est tout à fait. L'agir est inacceptable. Imaginez, c'est vrai, produit pour tout lié, tellement on va pour tout ça lié, les causes que la vie chère est pire. Et vous profitez de ça. Cependant, si l'État, maintenant, m'a donné la radio et ministre Ariel dit qu'il va monter gaz sous une malérie. Encore. On fait difficile, on fait difficile et 12 milliards de gouttes. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Vous allez mettre dans la poche pour jouer. Maintenant, on est là pour vous. On est enrichi. On classe et puis on n'a pas arrangé lui-même. Nous sommes très clairs dans notre décision. Nous sommes très clairs que tout le temps, ministre, pas. Et pour la vraie éducation, on a tout là devant, manifesté, et puis on a changé le face tout. Le réseau qui fait nous là, venez aujourd'hui, nous sommes devant le ministère et commerce pour nous parler, pour nous dire non avec la vie chère. Venez aujourd'hui, allez nous garder, mais on s'achète de nous monter en dollars. Il y a un petit gallon d'huile, 1100 gouttes. Ça veut dire que ni maman ni papa petit, par contre, qui c'est pour nous relais? Eh bien, nous-mêmes, qui t'a suivre, nous sentons nous conspirer trop, et ça que nous mettons pieds nous à terre pour nous dire non à la vie chère. Nous parler avec, nous parler avec le ministre commerce là, qui a reconduit. Est-ce que c'est parce que la bien travail qui fait reconduit le ministre commerce là, je dis à la, dans Figimoun, qui va jamais choisir pour dire un mot pour Haïti avec la vie chère, ça nous même dans ce monde là. Nous même comme jeunes, qui savait qu'il fait 80, 82, 83, 84, majorité de nous qui sommes en Chine, au Brésil, n'a pas humiliation en République Dominicaine, et bien nous-mêmes nous disons ça non. Haïti c'est pour nous pas partir quitter Haïti, et ça que nous venons, ça veut dire les amoureux pour nous dire non avec la vie. Ben nous avons gardé dégradation, situation socio, politique, économique pays d'Haïti. Avec PM Ariel Henry depuis 4 mois, comme seul major, comme seul chef dans le pays d'Haïti. 4 mois depuis que la misère, la vie chère a fini à peu près ici. 4 mois depuis que l'insécurité a laïté colle tout partout en dans le pays d'Haïti. 4 mois depuis que kidnapping, viol, assassinat, corruption augmenté 700% en dans le pays. 4 mois depuis que le galon gasoline. Il y a même importance avec un galon héroïne tellement moins cher en de pays d'Haïti. Et tandis que Ariel Henry a fait la lose avec un accord en mêle côté que la passé population en plein bêtise. Nous disons aujourd'hui, neurochirurgien qui c'est Ariel Henry, lui opérer toute organisation savoir avec pistouri sans anesthésie. Neurochirurgien Ariel Henry, lui-même quitté ciseaux en de toute organisation et parti politique sa plateforme sa yo. Ariel Henry te promet nous te dit pas un sacrifice qui est grand pour Haïti. Et ça te fait après la mort Jovenel Moïse, Ariel Henry te rele Rasso et toute partie organisation sa yo te chita pour mettre au gouvernement apaisé et sécuritaire. Je dis à les nappes gardées nous tombent des nuits pour nous néo-chirurgien. Ariel Henry fait opération chauve-souris, lui met au gouvernement, connaît qu'elle fait appel avec un série de tigres moun. Nous-mêmes, dans la so, nous ne reconnaissons pas le gouvernement. Ça, quitte en blé, quitte en pète, quitte en petit. Que nous-mêmes, population haïtienne, qui a bataille pour un changement meilleur, nous ne retrouver nous. Non, aucun monde n'a pas partagé ça à faire entre Tilolit, Gololit. Forme politique, union des centristes pour sauver Haïti, de concert à couvrement point final, nous décider à la manière des ancêtres nous, présenter sous forme de proposition un conseil de gouvernance pour diriger le PIA avec un conseil de gouvernement. Donc, comme étant donné accord final de Vétier, c'est accord en fusion que nous faisons avec ensemble, accord qu'il a eu. Donc, son signal, nous voulons bailler tout protagoniste, nous voulons bailler dirigeant pour dire à la manière des ancêtres, il faut que nous mettions ensemble pour bailler.
Haïti route développement que tout pour la chercher pour Haïti stabilité politique pour nous retourner et dans la vie normale. Donc comment nous même nous proposer pour ça fait au niveau accord final de Vétière et conseil de gouvernance cette membre ça a gagné un représentant dans l'accord Mandana. Il représente un accord PEN, il représente un accord en septembre, n'a gagné un représentant la Cour de cassation, n'a pas un représentant pouvoir législatif, tiré Sénat, n'a gagné un représentant collectivité territoriale et n'a gagné un représentant diaspora haïtienne. Nous pensons que le moment arrivé pour nous divorcer avec hypocrisie, le moment arrivé pour nous divorcer avec traîtrise, c'est le moment pour nous faire promotion pour bien vivre ensemble, c'est le moment pour tout Haïtien qui a fait politique, quoi, même si tout notre pays, il faut que nous appliquions la politique en Haïti à la manière des pays industrialisés comme science développement. Ce n'est pas la politique là pour créer. Et tout problème ça dans la société, au contraire, politique, c'est les mêmes pour résoudre le problème de l'identifier là. Donc, comme camarade Guito Tetili, nous gagnons une liste au conseil de gouvernement qui a gagné 11 ministères. Pour qui ça 11 ministères? Les gars des situations difficiles, peuple haïtien a traversé vous aujourd'hui. Les gars des dans qui état monde qui dans ghetto à vivre. Les gens des situations difficiles, les gens qui sont dans la section communale, les gens des ensemble problèmes qui gagnent dans le pays, nous disent pour réduire les vies de l'État, nous n'avons pas besoin de tout ministère ça, pour nous faire quoi, mais nous proposons pour gagner 11 ministères, nous avons gagné le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des actions civiques. Nous avons gagné le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources naturelles. Nous avons un ministère de l'économie, des finances, de l'industrie et du commerce. Ministère de la santé publique et de la population, la prêté Jean Lier. Ministère de la justice et de la sécurité publique, la prêté Jean Lier. Le ministère de l'intérieur, de la défense et des collectivités territoriales. Nous avons défense en dedans ministère de l'intérieur. Nous avons un ministère de la planification et de la coopération externe, ministère des Haïtiens des Affaires étrangères et des cultes, nous fusionnons avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc nous avons gagné le ministère du tourisme et de la culture, nous avons gagné le ministère des travaux publics, transports et de la communication, et finalement nous avons gagné le ministère des Affaires sociales, du travail et des conditions féminines. Feuille de route la gagne 10 points. Établir le climat de sécurité dans le pays. Deuxièmement, mettre en place des programmes d'apaisement social. Convoquer la conférence nationale. Former un nouveau CEP. Mettre en place une assemblée constituante. Élaborer un pacte de gouvernabilité d'environ 30 ans. Élaborer un plan de développement durable à l'horizon 2050. Huitièmement, initier la réforme diplomatique et de coopération multinationale. Initier une mise en place pour la réforme judiciaire en vue de faciliter la réalisation des différents procès, tels que procès Petro-Caribé, procès des massacres et des assassinats. Et pour en finir, organiser des élections générales dans le pays à la fin de l'année 2022. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.